Nivielter allume la lumière au cœur du sexe de la femme pour que vérité soit faite. La femme est à la fois convexe et concave. Ceci est un podcast du Centre Pompidou consacré au rapport entre art et féminisme. Le corps de Nivielter est là, face caméra. Il n'a pas de visage, mais un ventre en mouvement qui suit la danse du ventre. La caméra ne bouge pas, le ventre, lui, se déhanche et prend la parole pour parler de la sexualité féminine. Pour ce faire, Nivielter reprend les mots de l'historien et sociologue René Nelly. René Nelly, Érotique et civilisation, 1972. La femme est à la fois convexe et concave. Mais encore faut-il qu'on ne l'ait point privée, moralement ou physiquement, du centre principal de sa convexité, le clitoris. Quoi ? Le sexe des femmes n'est pas juste une grotte faite pour accueillir un pénis, du sperme et puis un enfant ? Quand on évoque le sexe de la femme, on ne pense qu'à un trou noir, sans lumière. À retrouver sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux.